take it. Précédemment dans Révélation 2. Ta mère, ma vie est géniale. Cette pute m'a planté une aiguille. Claire, sur le toit. Tu vois, on est comme des sœurs. Oh, mon cher petit Grégor, c'est de la triche. Claire, où est la petite? Moira a essayé de rejoindre cette tour quand j'étais avec elle. Barry, il y a quelque chose ici. J'attendais votre venue. Une seconde. Wow, tu parles d'un sage. On s'est séparés ici avec Moira. Ensuite, le gentil monsieur est venu m'emmener avec lui. D'où est-ce que... Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour l'épisode 3 officiel. Donc le verdict. Bon, pour moi c'est l'épisode 5. Mais c'est pareil. Donc c'est quand même un peu bizarre leur système là de sortir des... deux épisodes par deux épisodes, mais bon. Rien. Aucun signe d'elle. Que s'est-il passé? Moira, là. On a laissé un message. C'est écrit « Rendez-vous à l'usine ». Et sur l'échelle du traquenard, on est à combien? Ouais, 10. Ça vient de Neil. Allons-y. Voilà. C'est à peine stable. J'arrive pas à croire qu'on ait perdu la gamine. Je sens que ça va pas le faire. Elle s'est peut-être cachée. On continuera de la chercher en chemin. Ça a l'air d'être à peu près correct. C'est pas trop ça, mais... Je ne sais pas. Neil fait juste ce qu'il a à faire. On t'arrête de bégayer. Putain, j'ai cru que ça avait frisé, là. Putain, c'est moche, ça. Bon, allez, go. Putain, mais c'est moi où il est encore plus mal encodé que les précédents épisodes. J'ai l'impression que ça bug tout le temps. Bienvenue au Kirling, où toutes les choses ont une fin. Encore elle. Elle nous observe tout le temps. Non, tu crois? Il y a quelque chose de bizarre. Fais attention. Charmant. Où est Neil? Pour le revoir, vous allez devoir affronter l'échafaud des dieux. On doit se dépêcher. Neil a besoin de moi. Besoin de toi? Mais... Fouillons par là. Thank you.
Bon, alors on va voir là. Alors. J'ai rien de toute façon, j'ai rien récupéré. Je pensais qu'il n'y aurait rien dedans. C'est quoi ce truc? J'ai pas compris ce qui s'est passé quoi là en fait. Bon, c'est pas grave. Un scanner rétinien dans une usine? Bon sang! Il va pas nous laisser entrer. On a besoin de l'œil de quelqu'un. Ouais, il crève. Mais merde, c'est pourquoi il gonfle là. Oh, il y en a un autre là, merde. Ouais, casse-toi. Putain, un vieux ralentissement de merde, c'est chiant. Vas-y, gonfle toi aussi là. Hein, c'est bon. Ok, donc il n'y a rien d'autre.
Comme par hasard, c'est n'importe quoi cette usine. C'est quoi tous ces trucs? Alors attends. D'accord. Ah là, et non. On va se coucher. Ok. Regarde le plafond. C'est charmant. Alors, rien. Quoi? Casse pas. Plein. Alors attends. Essayons de la récupérer. Ça va la casser à tous les coups. Vas-y. Ah yes, ok, cool. Attends, non, je remets l'œil. Hop, je récupère la clé. Je reprends la clé. L'œil, je veux dire. Merde, ben. Faut que je laisse l'œil. Ouais. Bon, bah ben, écoute. Ouais, il doit y avoir un autre truc. Déjà, j'ai une clé. D'où tu viens, toi? Reste tout est. Tu gonfles? Tu gonfles pas? Non, c'est pas là, c'était où? Et un là. Oula! Hey! En bas peut-être le... Allez voir. Putain, mais il y en a partout. Voilà. C'est quoi cette arnaque encore? Déjà, des trucs bleus au sol, ça doit être avec elle. Ah, plus de lampe. Ok, d'accord, bon. On va y aller. Oula! Bon, pas de gestes brusques. Revenons sur nos pas et réfléchissons.
Ouais, bah, si tout réfléchis, il faut que je passe là où là il y a des pieds bleus, quoi. Pas intérêt de me chier dessus, je crois. Voilà, doucement, doucement, doucement. Allez. Pas trop vite. C'est où? Ils sont où tes pieds là? T'en as un là. Un qui vont là. Là. Là ou là? C'est quoi cette arnaque? Voilà, ça va nulle part. Pourquoi tu mets une musique stressante comme ça, y'a personne. Voilà. C'est bon. Cool. Un œil en verre. Bah voilà, je vais pouvoir faire un échange avec l'œil qui marche pas. Enfin l'œil. Le vrai. Perdu dans le ténèbre. Clarifiez votre situation. Le petit indice pour parler de la petite lumière qu'il faut éclairer au sol. Trop tard. Bon alors. On retourne avec ton arme. Du coup. Faut que je retourne. Putain, mais ils reviennent tout le temps là, c'est pas possible. Ah, j'ai plus rien. Cours. Puis le reste à côté. Bon alors. Voilà. Éclate tout seul. Fais-toi plaisir. Mais non, cours. Putain, pourquoi il éclate pas? Il éclate pas celui-là. Allez, boum, voilà. Dégueulasse. Donc ensuite, on retourne chercher le petit œil. Donc je prends l'œil artificiel, ok. Et toi, viens me poser. C'est toi qui l'as? Ouais, ok, cool. Hop, on est reparti. On devrait peut-être passer au scanner rétinien. Non, aussi. C'est intéressant. Moira, regarde, à l'intérieur de ce cadavre, c'est ce que je pense. Berk. On dirait un organe humain. Il y a une carte aussi. C'est ici que les cours d'eau souterrains se connectent à la tour. Mais cette saloperie de statue bloque le chemin. Tu sais comment les dieux ont puni Prométhée, en envoyant un aigle lui dévorer le foie. Alors... Ah, voilà donc ce que c'est censé être. Bon alors... Oh, ça dégage bien, ça, dis donc. Une balle, bam, dégage. Par contre, j'ai pas beaucoup de balles. Du coup, ouais, faut ramener le foie au truc, j'imagine. Alors, oui, on va déjà... Donc retirer, 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 hop, ça on va l'améliorer, mais non, voilà, ensuite ça,
Hop. Voilà. Attends. Je vais quand même aller faire un tour parce que j'ai rien trouvé. Ça me paraît vraiment très bizarre qu'il y ait un truc là et qu'il n'y ait pas un petit coffre à trouver. Est-ce que j'ai pas... peut-être pas fait le tour là dans cette pièce. J'étais un peu rapide. Ou ailleurs. Non, il n'y a pas de coffre là. Attends, je crois qu'il y a un endroit que j'avais pas été, c'était là. Ah voilà, je me disais bien, j'avais peut-être loupé un truc. Ah ouais, ça m'arrange bien, ça m'emmène en bas. Pff. Oh là là. Bon bah, faut croire qu'il n'y a rien. Je vais quand même faire un léger petit tour ici, voir. Ouais, pas de coffre. Bon bah écoute, c'est bizarre hein, qu'il n'y ait pas de coffre, mais... Enfin c'est surtout bizarre qu'ils mettent un truc d'armement, ou alors c'était juste pour le flingue, pour changer les trucs. Ouais, ça devait être pour ça. Bon bah écoutez, hop, on est reparti. Il n'y a pas d'autres pièces de toute façon. Si, là peut-être. Ah bah tiens, regardez, j'allais me barrer, j'ai même pas été ici moi. Puis quand je dis que je pensais qu'il y avait un coffre, j'avais raison. Il y a un coffre là. Enfin, je dis que c'est un coffre. J'ai même pas été devant encore. Ça se trouve, je peux. C'est même pas un coffre, c'est juste un décor. Non, cool. Oh oui, j'étais loin. Ensuite. Oh cool. Ah bah là, qu'est-ce que je disais? C'était bizarre qu'il n'y ait pas un petit truc ici. Foutait un machin, mais il n'y avait pas de truc pour améliorer. Alors. Allez go, on y va. Là. Maintenant, je crois que c'est bon. Focus. Ah, ça c'est pour quoi? Ça va être pour le snipe sûrement. Ou non, c'est pour tout. Ah non, je peux pas le mettre. Je peux pas le mettre. Là je peux le mettre, donc c'est pour le snipe. Non, c'est pas un snipe, si c'est un snipe ça. Non, pas là. Non, c'est juste, c'est pas un snipe. C'est abandonné depuis longtemps. Je raconte que de la merde moi. Où es-tu? Neil et la fille. Oh, t'es amoureuse de ton petit Neil, hein? Bon, allez, go. Ah, faut que je mette autre chose encore. Il nous manque une moitié de fois. Oh. Allons, trouvons-le. J'imagine que c'est là. Bah oui, j'ai un œil maintenant. Je peux rentrer. Alors. Oh, ça sent la bouse de vache. On devait garder des animaux ici. Hmm.
Ça sent mauvais là, toutes ces munitions. C'est-à-dire que. Alors, écrit en russe. Mon usine est ruinée, ruinée. Tout est sa faute. Ouais. Ta gueule. T'aurais mieux fait de rester allongé. T'aurais pu vivre plus longtemps. Tu fais quoi toi? Viens là. Voilà, terminé. Ça a rien de t'exciter. Ça. Pourquoi j'ai un A? Ah, c'est pour passer là. C'est quoi ce bruit? C'est l'autre côté, d'accord. Alors. Oh, Berk. C'est une boucherie. On y tuait le bétail. Bon, ça me fait penser un peu à Evil Within. Là. Petit passage que j'ai pas trop apprécié dans le jeu. Enfin, j'aime pas trop les bains comme ça. Là. Où c'est vraiment très dégueulasse. Et où il y a un boss souvent. Qu'est-ce que je disais? C'est fermé en plus. J'ai vu du feu là. Non, on me dit pas que c'est autre qui crache des trucs de feu. Oh si, c'est lui! Tiens, je vais te faire goûter mon fusil à pompe. Pars-toi de là. Ouh. Putain, c'était chaud d'art là. Viens là. C'est quoi qui me brûle? Eh hey, oh! Ça te fait marrer toi. Ah Berk, je suis sauté dans le sang. Allez, arrête de bugger. Putain, mais ils sont chiants. Tous les jeux, c'est des boutons différents pour courir. Je suis toujours en train de chercher parmi quels jeux. Enfin, c'était quoi les touches? Je suis toujours en train d'interagir. Enfin, d'intervertir les touches. Il est où? T'es nul. Voilà, c'est pas dégagé, hein. C'est pas aussi facile. Hein. Enfin, pour moi, ça l'est plus. Pas pour toi. Oh oui, il est énervé. Allez, dégage. Oh. Ça passe à travers les trucs, ces machins là. C'est nul à chier. Cours, va pas te cramer. Mais, allez, cours au lieu de faire... Putain, j'ai trop l'habitude de... Je sais pas pourquoi je veux cliquer sur le joystick à la Advanced Warfare pour courir. Ensuite, on va prendre le pistolet mitraillé. Ah non, celui-là, peut-être il va bien lui faire mal. En plus, il court là. Bah, allez, dégage, ralentis direct. Pas au sol. Alors. J'ai besoin de toi.
coup. 3. Ouh. Putain, vous nous en foutez combien à la fin du jeu là? Jusque là, donc je dirais juste là, ouais, pas loin. Déjà, c'est pas mal. Si j'arrive du premier coup pour avoir une sacoche de clair, du coup, j'ai encore plus d'objets. Ouais, cool. Alors, j'ai, ouais, mais j'ai toujours pas la clé, moi, ouais. Ouais, bon, déjà on va aller voir ce qu'il y a dans les caisses. Ok. Bon alors. Ok. Non mais. Oh là là. C'était quoi ça? Juste du sang mal fait. Là, c'était là-bas qu'il y a un truc. Voilà. Moi. Alors. Ça m'a l'air charmant tout ça. Déjà, je suis. Ouais. Faut que je prévoie ma sortie là, parce que je sens que ça va pas le faire. C'est quoi qu'il faut que je fasse là? Attends, déjà, on va aller voir. Ça. Ça marche pas. Oui, une petite clé, bien sûr. Au clé. D'accord. Ok. Pas au clé. Mélange de ok et de au clé. C'est quoi ce A? Pourquoi il y a de la lumière par terre? Arrête de, reste pas accroupi. D'accord, c'est pour indiquer qu'il faut aller là, j'imagine. Ah, mais allez, vas-y, fais ton A là. Il est où ton A? Ah, d'accord. Pêche-toi. On va te faire écraser là. Enfin, te faire découper. On verra après. Allez, pêche-toi. Est-ce que on peut retourner là-bas? Oh les putes, j'hallucine, ils veulent pas que j'y retourne. J'ai même pas. En fait, il faut que j'ai. Oh non! Putain, c'est abusé ça. Ça, c'est vraiment abusé. En gros, je peux pas y retourner quoi. C'est soit t'as le temps très vite de prendre les trucs, soit tu les as pas pris. Et merde. Abus. J'aime pas ça. C'est chiant ce truc là. Il fallait que je me speed à ramasser les autres trucs, à ramasser les petits trucs lumineux, machin, bidule. Foiré. Puis aussi j'avais une caisse là. Comment on aurait pu ouvrir la caisse? N'importe quoi. Putain, bon, laisse tomber, c'est pas grave, on se casse. Donc j'ai récupéré une clé.
Toi, tu vas se coucher. Ça m'a l'air charmant là aussi. C'est quoi ce bruit? D'accord. Donc je celui-là que j'ai rencontré juste à l'instant, c'était sûrement pas un boss, c'était juste un avant-goût. Si je comprends bien. Alors là, il y a un interrupteur là-bas. Le réservoir n'est pas vide. C'est quoi ce truc? What the fuck? Déjà, je vais prendre ça. On va tirer là-dedans. Hein. Ouais, cool. Moi, je voudrais bien des munitions pour le gros gun là. Il y a quelqu'un qui débarque là, non? Non. Alors. J'ai besoin de toi. Pile dedans. Putain, je m'améliore, moi. Bon, alors. Ça s'arrête tout seul? Non. Je l'arrête moi-même. Ok. Puis en plus, faut que je calcule le temps d'arrêt, quoi. Alors, maintenant. Hop là. Ok. Est-ce que je peux tirer de là? Non. Puis en plus, tu tires avec le mauvais, quoi. Je perds des balles pour rien, alors j'en ai déjà pas beaucoup avec lui. S'arrêter avant. On va essayer comme ça. Ah bah non. Loupé. Dommage. Ah, et puis toujours pas. Punaise. Je sais pas si ça a pas été trop loin cette fois-ci.
Ouais. Bon, alors... Maintenant... Putain, mais ça arrête à 15 000, là. Vas-y, ça me saoule. Du temps à s'arrêter là. Voilà. Putain, il en faut encore un autre, mais c'est pas possible. Oui, bah oui, oui, normal. Bouge. Au lieu de venir me faire chier, vous aurez mieux fait de sauter direct dans le truc. Le résultat aurait été le même, sauf que j'aurais pas eu besoin de continuer mon petit manège là. Donc, juste avant qu'il arrive. Donc maintenant. Non, mais t'as pas besoin de me le dire, hein, je suis pas aveugle. Bon. C'est quoi cette radio de merde là? Mais non, c'est pas... t'es pas dans Advance Warfare là. Non, c'était pas là, je crois. Oula, bon, je crois qu'on va se casser. Hein. Attends, déjà, on va se mettre de la vie. Putain, il me saoule avec son truc de feu. Dis, qu'est-ce que c'est? Putain, il y en a partout. Puis il me suit, lui. Mais...
Ça lui a rien fait du tout. Il est où cet abruti? Si t'aimes bien faire des petits tours, tu peux faire des petits tours. Tiens, grosse merde. Ah non, j'avais pas vu lui. Ouais, c'est mieux. C'est bon, j'ai tout fait le tour, je crois. Puis ici, on est tout tranquille. Bon, ouais, je t'ai mis tes deux bouts de foie là, ouf moi. Ouais, je m'en doutais qu'il y avait un connerie. Saloperie. C'est la fête. Allons-y. Pas trop si c'est un bon échange. On verra ça de toute façon. Je peux la récupérer quand je veux. C'est pas un problème. C'est chaud là-dedans. J'en ai fini avec vous. Vous ne faites plus partie de cette expérience. Va te faire voir avec ton expérience. Qu'as-tu fait de Neil? L'échafaud des dieux a fait son œuvre. Maintenant, le feu de Prométhée va vous dévorer. Oui, c'est bien. Ouais. Je savais que c'était un piège. Claire, cours! C'est quoi là? D'accord. Une bonne idée. Donc, changement de personnage. Mais ça doit être là qu'il faut que j'aille. Oui, mais non. Attends. Ça doit être ça. Là. Voilà. J'ai loupé un tuyau. Non. Eh, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as de la lumière dans la gueule, espèce d'enculé. Vas-y, je me casse. Je peux pas te tirer dessus, quoi l'intérêt?
Mais non. Vas-y. C'est quoi ? Viens par là. T'es où ? Qu'est-ce que c'est ? C'est là. Viens par là, espèce de tête de bite. Voilà. Putain, j'étais efficace. Alors. Faut que je fasse un truc avec ça. Voilà. Non, c'est pas ça. Ça doit pas être ça. Vas-y, dis-moi ce qu'il faut que je fasse là-haut. Tu montes les escaliers avec ça ou pas? Dis-moi que tu montes pas. Oh putain. Ça aurait réduit le champ d'action, mais là non. Je vois pas où faut que j'aille. Se trouve faut que je ramène ça. Non, bah non, je suis même pas là. Bon, au moins, c'est clair. Je peux pas le ramener là-bas. Ouais, si, là-bas, putain, le temps que je perds, je crois que j'ai vu une échelle. Bon, il y a de fortes chances que je sois obligé de le refaire, hein. Voilà, là, juste là, là, comment que je suis bigleux, là. Parce qu'une minute, ça me paraît juste. Allez, prends-le, là, ton truc. Je sais même pas où j'ai en fait là. C'est où que je vais, c'est quoi que je fais? Je fais quoi là-dedans, moi? Je monte là? Ici. Oui, bah ça, je sais bien. Hein. Je sais que t'es là. Mais je me fais quoi? Ah non. Ouais. Bon, on va recommencer, c'est pas grave. Vous êtes mort? C'est quoi? J'ai déjà fait, non? Je reprends là, ok. On va courir. Attends. Déjà, j'ai commencé par faire ça. Allez, arrête de bugger, là! Voilà, hop, terminé. Ensuite, t'as pris ta plante là, c'est bon. Ah, tu prends ta truc. Ensuite, je suis même pas ouais, là. Voilà. Il vient d'où lui? Il est apparu comme ça. De je sais pas où en fait. À droite, à gauche je veux dire sûrement. Mais...
Je sais pas ce qu'il faut que je fasse là, c'est trop malin. T'en as dans tous les sens des rampes. Y a quoi à faire? Ah ouais, d'accord. Oh, l'arnaque! What the fuck? C'est quoi cette arnaque? Putain, on se croira à Fort Boyard. Allez, putain, espèce de conne. Putain, mais ils auraient mieux fait de l'appeler Resident Evil. Fort Boyard, tout. Ouais, donc attends. Non. Non. Putain. Putain, franchement, caméra, elle est merdique. Allez, putain. Quand il y a un compteur, il faut que tu fasses chier ton monde, quoi. Donc là, c'est là que tu viens. Là, tu vas y voir les gros débiles qui vont te faire chier. Ah, toi, t'es où, là? Tu te ramènes très vite de la gauche. Putain, mais crève là, sale racle, sale race, sale raclure, mélange des deux, sale racle. Bon, allez, dépêche-toi, cours. Allez, c'est bien. Alors, c'est quoi cette arnaque là? Vas-y, je vais être obligé de me taper les 4, essayer les 4 pour voir s'il n'y en a pas. Non, c'est quoi ça? Avancer sans savoir revient à risquer votre vie. Faites votre choix avec les connaissances appropriées. En revanche, la réponse n'est peut-être pas en face de vous. Oui, bah oui, j'ai que ça à faire quoi, attendre pendant 3 ans. Eu à attendre très longtemps, il y a un truc qui s'est manifesté devant moi, c'est parfait. Allez, descends là. C'est quoi cette arnaque? Y'a rien là. Ok. Et t'es pas, c'est où là? C'est lequel? C'est celui-là. Ok, et maintenant, là. On se casse, vite. Non, bah non, reste là. C'est quoi ces réflexions? Alors, t'as pris ton pied? Claire, c'est ici. Le canal va droit vers la tour.
doit nous observer à chacun de nos pas. Mais si elle pense qu'on a péri dans l'explosion... On a l'avantage de la surprise. Nous sommes près du but, Moira. Je le sais. Bon, arrête avec tes ralentissements, là. Putain. Neil et la fille n'ont jamais été à l'usine. Non. J'aurais dû t'écouter. Neil n'a jamais écrit ce message. Il n'a pas pu. Hein, il sait pas écrire. Oh, t'arrêtes de ralentir, là. Ça commence à être lourd. Putain, vas-y, y a rien. Y a pas de monstre, là. Qu'est-ce qui t'arrive ? Pas besoin de laguer. Wouah, vas-y. Aïe ! Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Pas de bêtises ! Bordel, il est avec TerraSave ? Je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Pas de bracelet. Où est passé ton bracelet ? Le bracelet ? Tu me prends pour une fille ? Putain de merde, grand-père ! Tu sais pas ce qui se passe ? T'as intérêt à filer avant qu'il soit trop tard ! Jamais ! Ici, je suis chez moi. Alors fichez le camp. Débarquent sur notre île sublime et veulent tout détruire. Si vous avez des problèmes et vous allez en avoir, c'est pas moi qui vous aiderai. D'accord. Pas mourir ailleurs. Ici, c'est chez moi. Vieux fossile. J'en ai marre des mecs comme lui. Tu veux dire comme Barry ? Oui, c'est bien. Alors, capacité niveau 3. Donc ça, hop. Non, on enlève. Hop, hop. Ça, on va mettre... capacité. Ce serait bien, lui, plus de balles pour lui. Ça, on va mettre dégâts niveau 1. Recharge. Ce sera toujours ça de gagner. Ok. Oui. Mon grand frère était comme ça, lui aussi. J'ai foiré une fois et... j'avais vraiment pas besoin de son aide. J'aime pas trop les os. Je sens qu'il va y avoir des petits monstres dans l'eau, j'aime pas ça. C'est le seul truc que j'aime pas dans les trucs d'horreur, c'est les monstres dans l'eau. Je peux pas les voir arriver. Ceux qui sont invisibles, moi aussi. Ils sont pas terribles ceux-là non plus. J'ai besoin de toi. Ouais, c'était trop beau. Oh, j'étais à quelques millimètres. Ouais. Tu me donnes ça maintenant, toi. C'était où que j'allais, je sais pas, c'est de là que je viens, ouais. Mais je peux pas. Prendre ça. Hop là.
Regardez là, ça j'aime pas ça. C'est quoi ce truc là? Je le sens pas. Je le sens pas du tout. Et puis là ça s'arrête. Oh je le sens pas. Vite quoi. Remonte. Putain, mais arrête de crier pour un oui ou pour un non, toi. On peut pas monter là, forcément, c'est obligé. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça va si vous êtes... Eh oh! Bien fait, tiens. T'as qu'à pas chercher. Vas-y, ta gueule, toi. On va se coucher, là. Saleté. Je sais pas ce que je suis en train de faire, mais je le fais. Ok. C'est là où j'aurais bien aimé monter, moi, là. Ici, là. T'as une petite caisse. Chier. Bon. On va peut-être pouvoir y accéder plus tard. Viens par là, toi. Un truc qui brille. Un gros rat. Ah le vieux bug. Ah je sais pas si vous avez vu mais le rat il a filé tout droit, il a pas descendu la pente. Il a filé tout droit dans un sol invisible.
pour foncer dans le mur. Bon alors, une petite console là-bas, là y a rien, un peu de musique, et reste couché. Putain mais faut pas être polio, tu peux pas passer là, tu pourrais pas passer. Là, 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 tu serais pas assez grande pour prendre la barre et monter. Et puis là non plus. Voilà, là. Ah non, il faut faire le tour de l'escalier. Alors, qu'est-ce que ça va nous prendre ? Tu restes couché. Alors... Ouais... C'est quoi ça? Y'a rien là, je peux pas y aller. D'accord. Très efficace les gars sur ce coup là.
Et ça, j'avais pas le choix. Ça m'a fait tomber dans l'eau. Bon. Le premier coup, ils étaient pas efficaces. Là, c'était un peu mieux déjà. Et vas-y, monte là. Pas trop. Mais non, c'est pas ça que je veux que tu fasses. Aïe aïe aïe. Allez, remets-toi bien. Non mais tu crois que c'est moi qui vais taper là? C'est toi que tu vas crever là, sale race. C'est moi qui donne des coups, c'est pas toi. Bon allez go. On va monter là. Non, tu sais pas monter là? On va monter où alors? Bon. Ouais. Ils sont marrants. J'aime pas trop ces trucs dans l'eau. Là. Déjà, ça. Go. Ensuite. Allez. D'accord. Putain, je croyais qu'elle voulait pas sauter. Ok, bon, on est parti. Un cimetière. Wow. Allez, arrête de bugger là. Je pense. C'est quoi ça? On dirait une... Chaos familial. La tour doit se trouver au-dessus de nous. J'espère qu'on peut encore la surprendre. Il faut trouver un moyen pour monter. Charmant. Ah. La quatrième sera séparée de trois et une rangée derrière. Ouais.
Bon, c'est plein. C'est pas grave. On peut dire que je m'en serve très souvent. Je sais pas à quoi il servait le tombeau d'en bas là, mais... peut-être loupé un truc. De toute façon, vu le temps que j'ai mis pour faire cet épisode, j'ai pas trop le temps de m'attarder. Je vais pas faire des épisodes de 2h30. Puis vu que j'aimerais bien continuer à faire un épisode par vidéo. C'est pas mon petit copain. D'accord. Oh merde. Écoute, il faut que je te dise un truc. J'ai remarqué quelque chose d'étrange. Son bracelet n'a jamais changé de couleur. Je veux dire, les monstres nous attaquaient de tous les côtés. Un homme normal aurait eu peur, non? Non. Non. C'est impossible. Ok? Fin de la discussion. Oui. C'est ce que tu dis, mais... Mais je peux pas y aller, bon. Tiens, je vais te donner des coups de couteau, moi, si tu dis des bêtises, hein. C'est quoi ça? C'est d'où je viens? Je sais même plus, non. Cette liste, Neil l'avait à la fête. Burton, Chavez, Redfield, il y a tous nos noms dessus. Non, il a trahi Terra Save. Claire, je suis désolée. Regarde. On regarde quoi? Ça y est, on a trouvé le meilleur candidat. Beau travail. Maintenant, c'est à vous de remplir votre partie de... Qu'est-ce que... Tu voulais un échantillon du virus sur Ouroboros. Maintenant tu l'as. Bon doute. Tu sais que dalle sur moi! Je sais que tu étais la marionnette de Lanstead. Il y a 7 ans, Veltro a provoqué une panique à Terra Grigia. Et le FBC tirait les ficelles. Le vieux débris est mort. Mais il a été assez intelligent pour passer le flambeau avant. Tu m'as manipulé! Parce que tu es un idiot. Tu pensais pouvoir créer une nouvelle menace terroriste pour justifier l'existence du FPC. Un monstre comme toi ne pourra jamais comprendre! Claire? Tu pleures? Non. Je... j'apprends juste à y voir. Mais oui, tu t'es fait niquer. Mais...
pas net, hein. Neil? La petite pute. Neil! J'ai fait ce que je pensais être juste. Tu t'es trompé. Allez, bute-le. Ce machin. Ouais, de toute façon, vous les meufs, les seules choses que vous savez faire, c'est tomber amoureux des gros connards. Je vais te tuer avec mon petit gun et ma copine qui a un pied de biche. Dans le prochain épisode. Ah non. Putain, elle est beaucoup moins bien fait là tout de suite. Je te faisais confiance. Le but de ce save était de sauver les gens. Pas de les tuer. Putain, ça bug de trop. Oula, cours, 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 cours. Oui, c'est bien. Combien là?
capturer. Et arrête de bouger là aussi. Tu es où? Oula. Voilà. Oula. Mais bah, j'ai pas l'intention de te laisser tomber, hein. Arrête de gueuler pour rien. Celle-là, voilà. Ah, non, j'étais déjà dessus, je crois, en plus. Loupé. Allez, éclate là. Voilà, meurs. Putain. Oui bah, t'as le temps encore. Alors, déjà t'es encore en vie, cime-toi heureuse, puisque 99,9% du commun des mortels serait déjà fait bouffer. Bon alors, espérant qu'il se réveille pas, où est-ce que je dois aller? Peut-être là. Non, je peux pas y rentrer. D'accord. Donc on va aller là, je pense. C'était une bonne idée, ça. Voilà, c'était une bonne idée. Bientôt, on la tient. Elle est où? Dernier. Bien sûr, il est pas mort. Arrête! Je te laisse pas la toucher! Ah,
Merci. Foiré. Oui, ça bouge encore. Je serais toi. Tu vas bien? Tu peux marcher? Oh merde, derrière toi! Vas-y, tire toi, vas-y, c'est le grand temps d'apprendre à tirer là. Que t'est-il arrivé? Ah non, c'est changer de personnage. C'est quoi ce truc là? C'est quoi ce délire là? Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, donne-lui le flingue là. Allez. Il est temps de faire des adieux, boss. C'est charmant. Juste une bonne grosse lame dans la gorge. Entre nous, désormais lâchés, toi et moi, allons devenir de bonnes amies. Non, tu vas la reperdre nous encore. Ok. 1h41. 41. J'ai trouvé 0 médaille. Donc voilà, j'ai fini donc le premier chapitre de l'épisode 3. Donc voilà, donc bah écoutez, on va se retrouver pour le prochain épisode. Et d'ici là, bah, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!